Hello les amis, voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode Découverte. Cette fois-ci, on est sur The Casting of Frank Stone. Donc les amis, c'est un jeu de Supermassive. On a déjà fait quelques-uns. Ce studio producteur de jeux vidéo horreur, comme on les aime. Donc que dire les amis, moi j'irai partir tout de suite pour cet épisode Découverte. J'espère que vous allez aimer. Et si vous êtes en train de le faire, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, tout simplement. Allez, c'est parti! Chaque choix fait, il y en a. Certains sauveront des vies. D'autres se solderont par la mort. J'ai The tout sacrifié à sa recherche. Un monde au cœur d'une histoire qui m'avait été murmurée des siècles plus tôt. Un pouvoir intemporel, au savoir infini. À la fin insatiable, l'entité, un royaume si proche du nôtre, mais toujours hors de portée, jusqu'à ce que je le trouve, Frank Stone, ma clé, mon tueur. Je suis Augustine Lieber, et je m'apprête à changer nos mondes. Bordel les amis, ça commence déjà fort. Qu'est-ce que ça va être? En plus ça fait, c'est du monde de Dead by Light, Dead Light. Un jeu que j'ai joué très très peu. Mais bon. Mais quoi? Nous, on fait quoi avec ça? Passe quoi? On est sur PC les amis, je vous ai pas dit. D'habitude. Maintenant. C'est lui, Frank Stone. Les amis. Bizarre cette histoire. Bon, vous savez bien les amis, ça c'est un jeu où on doit faire des choix. Les choix vont apporter à la mort ou à sauver quelqu'un ou faire défoncer soi-même. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais vous savez bien comment ça se passe ce genre de jeu là les amis. C'est un... Mais enfin, non, on peut dire qu'il y a un... C'est un jeu interactif. Ah. Ah. Police, les amis. Policiero. The Dash Tail Cool. Chapitre 1. Burning Mode. 1963. Il ronfle un peu, je pense, mais je suis pas sûr. Oh shit. J'imagine que vous êtes le gardien de nuit ici. En effet. Vous seul? Pour le site tout entier? Ah non. J'ai de l'aide. Et qui se trouve où? De service? Si on veut. Merlin, il va là où ça lui chante. Merlin? Mon chien. Un Doberman pas cher. Le meilleur ami qui soit. Loyal jusqu'au jugement dernier. J'ai plus confiance en lui qu'en moi. Voilà. Bon, les amis, voilà. Ça, c'est le choix qu'on peut avoir. Il n'y a pas de temps limite. Donc, c'est pas comme dans les autres qu'on a du temps pour répondre. Et si on a notre temps, on peut le faire au calme, tranquille. Donc,
Sérieux, je dois vous poser quelques questions ou inquiets. Vous et le chien assurez la sécurité de la Syrie. Je dois vous poser quelques questions. Je dois vous poser quelques questions. À votre disposition. Quel est votre nom? Thomas Jefferson Holt. Appelez-moi Tom. Agent Sam Green. Tom, j'aimerais vous parler de... Je sais. Ce garçon disparu. Exact. Vous pensez qu'il pourrait se trouver là? Cette aciérie a l'air vaste. La plus grande de tous, c'est Dark Hills. Mais ça fait aucune différence. Y a rien de louche qui se produit par ici. Ni sous mon nez, ni sous celui de Merlin. Ok. Au début, quand vous avez, on était avec le chien, enfin, parce que sûrement c'était le chien, Merlin, on a vu lui, après il a ouvert la porte, on a entendu un enfant qui pleurait. Et ici, ils disent qu'il y a un garçon qui est disparu. Donc, si c'est un homme, on dit un homme. Si c'est un garçon, un enfant, on dit un enfant ou un garçon. Donc, ça pue déjà là. Ça fait bien quoi, les amis? Sceptique. Ça fait beaucoup de terrain à couvrir, non? Ou curieux, puis-je voir vos entrées? Curieux. Je vais voir qui est rentré dans le truc. Vous semblez sûr de vous? Et à raison. Puis-je voir vos entrées? Mes entrées? Bien sûr. Le registre, les visiteurs, l'écart hors des heures de travail, ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. Bon, ça doit bien être quelque part. C'est ça? C'est bon, permettez-moi. Découverte. Je vois. Ouh, de l'alcool, les amis. Accusateur. Quelqu'un a contrefait les entrées. Ok, ça c'est déjà une bonne route pour voir où est-ce qu'on va atterrir, les amis. Interrogatoire. Interrogateur, pardon. Rien remarqué de suspect ou désapprobateur. Vous buvez? Non, mais moi j'ai envie de voir accusateur. Quelqu'un a contrefait les entrées. Non. Qui? Imagine que c'est vous, Tom. Moi? Ou peut-être que votre partenaire Merlin vous aide. On dirait qu'il doit s'occuper de tout à votre place. C'est pas ça. C'est pas pour moi. Je dois juste couvrir les autres de temps en temps. Ceux qui oublient de signer, vous voyez. Des noms à me donner? Il y a qui déjà? Hank, je crois. Ah, non. Fred machin. Oh, ouais, c'est ça, Fred... Voyons, Tom. Il se balle, lui. Je suis désolé, Sam. Ça revient pas. Pas mal, tu bois. L'alcool a tendance à affecter la mémoire. C'est pour ça que vous êtes là? Pour sermonner un vétéran sur ses habitudes médicinales? Non. Je suis là parce qu'un enfant a disparu. Et chaque minute perdue, c'est une autre chance perdue de le retrouver. C'est vrai. Bah vous le trouverez pas ici. Je le sentirai dans mes tripes si ce môme était près de cette aciérie. Wow, ça commence à être chaud, les amis. Insistant, j'aimerais jeter un œil aux alentours. Sévère, comment êtes-vous si sûr? Allez doucement, insistant. Néanmoins, j'aimerais jeter un œil à l'entour. Vous voulez faire mon boulot à ma place? Allez-y. Tu vas te calmer. On va pas lever les cochonnades ensemble, Andouille. Il leur regarde avec un sourire. Avis, avec... À votre service. Perfection. Il ne s'énerve pas. Toujours avec le sourire. Bon, les amis, maintenant... On doit faire, c'est qu'on doit aller voir les alentours. Il y a de la mortadelle lance. Il y a de la mortadelle lance. Quelque chose du genre. Il est très immersif jusqu'à maintenant. Moi, j'aime bien le genre de jeu comme ça, un peu détective. Poser des questions, avoir. Il y a des bruits bizarres, les amis, dans cette aciérie. Ça pue la mort ici, moi je vous le dis. Nous aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais bon. Objectif. Trouver un moyen
d'entrer dans la série. Je le dis bien, la Syrie. Syrie. Bon, vous comprenez, les amis. Vous comprendrez aussi mon français un peu pourri. Bon, alors, pour avancer, c'est les mêmes touches. Pour courir, c'est quoi? Ah, voilà. Appuyez sur L. Ah, ok, on a même le. Trouver des affaires. Juste par ici. On va aller voir ça tout de suite, les amis. Ce qui se passe ici derrière. Est-ce qu'il va y avoir un mort? Il va y avoir un monstre? Ou tout simplement Frank Stowe? Pas Frankenstein. C'est ce que je fais, moi, je l'appelle. RT pour vous. Babiole trouvée, 1 sur 12. Voix irisée. Elle a promis de d'ici. S'il vous plaît, je suis en train de lire, bordel de neige. Tant pis. Je suis pas assez rapide. Donc, les amis, je vais quand même vous montrer les paramètres que j'ai choisis pour ce jeu. L'affichage, j'ai mis du 1440. Donc c'est du QHD. Le reste, ça c'est pas trop important. Graphisme, j'ai mis tout en ultra et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Pour le reste, en fait, j'ai pris la Deluxe. En fait, vous avez les costumes standards aussi alternatives. Au début, je vous ai pas montré en fait. Vous avez aussi le la façon de fait de comment je peux dire. Montage vidéo et tout, mais bon, je vais vous montrer après, comment ça se passe. Là, on est dans la découverte du jeu en soi-même, pas dans les babioles. C'est luxe. Ça donne pas vraiment grand-chose, mais bon, voilà. C'est un plus d'avoir la plus. Le vieillard appelle Tom. Appelle Merlin. Fenêtre ouverte. Je peux entrer par là. Ok, on va entrer par ici. Super. Policier. Oh Merlin. Ouf, doucement. Cherchez l'enfant disparu. Donc on est sûr qu'il est ici, l'enfant? Arrêtez avec les messages. Je suis en plein dedans. Non, ça a l'air très simpliste. Je sens que ça va bientôt partir en vrille, les amis, cette histoire. Parce que les histoires qu'on fait, surtout d'horreur, ça part toujours en vrille, les amis. Comme on les aime. Bon, c'est du couloir, hein, donc pas grand chose à chercher à part des portes et des fenêtres. Ou enfants disparus. Le mauvais bouton pour courir. C'est quoi ça? Ramasser. Vendredi 13. Oh purée. Déjà le nom, ça porte à confusion. Après-midi. 14h, 22h. Harold Norris. Dennis McCain. Bobby Rivers. Frank Stone, les amis. Celui qu'on cherche. On sait pas encore. Lou Osterman. Équipe de nuit 22h, 6h. Y'a rien. Comment ça se fait qu'il y a marqué jeudi 12, Frank Stone? Mais là, il me met qui est dans le 13, mais il n'y a pas de Frank Stone dans le 13. Ah ouais, il y a aussi, c'est vrai. Mais Frank Stone, en fait, il vient souvent, il me semble. Alors là, non. Le 9, il n'y a pas. Le 10 non plus. Le 11 non plus. Le 12, il y a déjà Frank Stone. Le 13 aussi. Le 14. Il est encore là. Le 15. Il est là aussi. À partir du 12, les amis, Frank Stone n'a pas arrêté de venir jusqu'ici. Se casser les balles aux gens. Je peux l'ouvrir cette porte. Je crois rien, bordel.
Attendez. Qu'est-ce qui se passe ici ? Examinons, les amis. Tirons. Hein ? Quoi, ça ? Dossier personnel de l'employé. Date d'embauche, 4 février. Nom de famille, prénom de illisible. Mais bon, je sais pas. Ah ouais, Stone Frank. Voilà, c'est à l'envers. Je t'ai vu que t'étais là. Donc 17 du 4 1927. Poste actuel machiniste. Adresse Pensinger Cedar Hills. Casier du judiciaire. Ouh là là. Une plainte pour agression, vol et vol. Pardon. Méridien, idée 13 du 5 1956. Libération anticipée, autorisée. 3 habitation, 5 rêves. Responsable contact, principal, docteur. On sait rien du tout. Illisible. Et même sur la feuille, rien du tout. Ok. Donc. Attendez, dossier personnel, employé de ces... Docteur Leber. Je disais, donc là on commence à comprendre les amis que Stones est un vrai Stones. Je ne vais pas trop dire ce que je viens de dire, mais bon, les Italiens, ceux qui sont Italiens, ils savent ce que je parle. Et je pense que Stones, il aimerait pas que je lui dise ça, parce que... m'égorger ou me étriper direct. Ouvrir. Fermé. Closed. C'est rouillé, on ne sait pas l'ouvrir. Là, c'est d'où on vient. Ok, on continue, les amis. Mais y a quelqu'un ? Police ! J'aime bien comme il a dit. Y a quelqu'un ? Quelqu'un ? Admin officers. Wow! Pas commencer à me faire peur comme ça. Là. Ah, les amis, j'ai hâte qu'on soit au mois d'octobre pour. Comment je peux vous dire pour Halloween, parce que j'ai prévu des choses, les amis. Vous allez ça, vous allez ça. Vous allez voir ça par la suite. J'ai prévu concocter quelques épisodes. Enfin. Quelques vidéos et tout ce qui s'ensuit sur des jeux d'horreur que vous connaissez sûrement pas, qui sortent souvent sur PC. Vous allez voir. Je vous apporterai tout ça, les amis. Le bruitage, les amis. Ah, ça. Bon, rien n'empêche que peut-être que ce jeu, je vais le faire en découverte maintenant et après vous l'apporter aussi au mois d'octobre, les amis. Parce que le mois d'octobre, ça va être... le mois horreur. Et je vous ai trop spoilé là, c'est bon. Vous direz pas les trucs que je vais apporter. Ah, ça pue la mort. Hein. Moi je le dis depuis le début du jeu que ça pue la mortadelle ici. Ça pue la mort. Ça sent la mortadelle en ça, l'état pur, les amis. Oh purée. Il est presque 9h, les amis. À quoi ? Non, il est déjà 9h passé, je vous dis. Hey, monsieur. C'est agent Green. Ok, vous... du respect ici. Vous auriez pas vu Merlin ? La force de l'ordre. Non, désolé. Ah. Tout va bien ? Ah. Oui, c'est juste... Bon sang, vous sentez rien ? C'est quoi ce... Le terrain est hors service. Je me suis un peu trop approché d'une bonbonne de gaz moutarde dans les tranchées. Ah. Des fois, c'est un avantage. Ah. Il faut qu'on trouve d'où ça provient. C'est quoi que ça sent ? Rien de bon. C'est sûr que ça sent rien de bon. C'est bizarre, lui, quand même. Hein. C'est pas lui, quand même, Frank Stones. Que c'est lui, Frank Stones. C'est bizarre que ce soit lui déjà. Et le chien. Bah, je crois. Où t'étais passé ?
T'es pas très content de le voir, le chien. Reviens, mon gars. Bon Dieu, bon Dieu. Va se calmer, lui. Oh, avec les mots. Je suis sûr que j'aurais aimé que tous les deux vous fassiez connaissance. Ah. Bordel. Nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un étripage à l'état pur ou quoi? C'est quoi ce bout de viande? Vous avez sorti ça pour lui? Non. On dirait que quelqu'un a trouvé le chemin du cœur de votre chien. Par son estomac. C'est pas possible. Merlin et moi, on est une équipe. Qui se mettrait entre un homme et son meilleur ami? Hein? C'est quoi, hein? Un genre de saucisse? De saucisse? Je pense que c'est des tripes. Gagnerait, les amis. Ah. Jetez un coup d'œil à ça. Ce fichu chien. C'est pas le chien qui a fait ça, excuse-moi. Bien qu'un chien peut mordre ou quelque chose, mais. Vous cherchez. Triper à un enfant. Enfin, un humain comme ça. Alors, c'est dédaigneux. Dédaigneux. Rien ne le prouve. Ça vient de quelqu'un d'autre. Mais ça, je sais pas vous dire. Rien ne prouve que c'est le cas. Mais j'ai... Rendez-vous service et oubliez cette idée. Car jusqu'à présent, toutes vos hypothèses ne valent rien. On a quand même trouvé une oreille humaine. Hein. C'est qu'il y a quelque chose que... C'est d'ici, quoi. C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que j'en sais? Restez derrière moi. Non, mais... Déjà, j'aime pas voir les gens derrière moi, mais... Lui, il est bizarre, vraiment. Franchement, je ne sais pas. Quoi? C'est parce quoi? Gris, les amis. Bon, c'est quoi ce truc? Est-ce que j'en sais? Oui, ça sert à quoi? C'est pour le fourneau, je crois. Vous n'en êtes pas sûr? Mais je bosse à la scierie, pas dedans. Fait de quoi forcer l'ouverture de la grille. Porte. Je ne sais pas où y aller. Il y a quelque chose ici. Passage. Ah, un bit biche, les amis. C'est ce qu'il nous fallait. Certains objets peuvent être conservés à utiliser. C'est l'ouverture de la grille. Quel bug infect, les amis. On va forcer cet endroit. Utiliser l'objet. C'est parti, les amis. On va voir ce qui va se passer. Reste pas trop derrière moi, j'aime pas avoir des gens derrière moi, j'ai dit. Appuie sur le... Ok. Ah oui, oh ça. Tapotage. Wesh qui dit rester derrière moi, mais il faudrait quand même qu'on... De l'aide, non? C'est que tu appelles aux toilettes, mec. La même gueulade qu'on est aux toilettes, qu'on est constipé. Ok. Prenez ça. Et appelez le poste avec la radio dans ma voiture. Vous avez pas à faire. Où est-ce que vous allez? Vous êtes sûr que le môme est là, en bas? Je l'ignore. Et j'ai un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Hey. J'ai besoin que vous preniez ça aussi. Déjà, c'est con. Enfin, c'est un peu con. Parce que le shérif l'est. Mais du... Bon sang, je sais pas. Non, j'étais en train de dire, en fait, le policier a pris l'oreille, ses mains sans gants, donc il a déjà ses empreintes et l'autre va avoir ses empreintes aussi, donc
J'aurais pu faire un effort sur les gants quand même. Bon, soit, encourageant. J'ai besoin de votre aide là. Exaspéré. On n'a pas de temps, temps pour ça. Non, on va mettre encourageant. On est un policier, il faut qu'on reste... J'ai besoin de votre aide, Tom. Je ne peux pas faire autrement. Je sais pas si j'ai les compétences requises, l'ami. T'inquiète. Ça ne s'appelle pas une vocation pour rien. Il faut se bouger pour réussir. Vous pouvez y arriver. Je... Ouais. Je peux y arriver. Hey. Je compte sur vous, Tom Holt. Je sais pas, les amis. Ça puante l'embrouillage. C'est inchangé. J'ai fait confiance à Tom. On descend alors. Ah, ça ressent rien de bon, tout ça. J'ai l'impression qu'on va vers la mort là. Personnellement, comme vous voulez. Et ça commence bien, allez, vas-y. Quelle maladroitité! Il n'y a plus rien, il a cassé la. L'échelle. Comme par hasard, il a cassé l'échelle, les amis. Trouver un moyen d'accéder à la salle de fourneau. Nous fournirait. Ton fournage. Déjà, je voudrais savoir où est-ce qu'elle est la salle des fours. C'est quoi ça? Un chapeau. Quoi? Putain. Il s'énerve parce qu'il a... Regardez. Symbole, quelqu'un a... J'étais... Wow, j'étais... Est-ce que je descendrai là ou je vais regarder autre part, les amis? Vaste, hein? Stoppol, hein? Je peux pas... Avant de venir ici, quand même, je vais aller voir là-bas en fond. Bon, pardon. Je vais y arriver. Quoi? Ah, un objet, les amis. Quoi, ça? Les amis, non. Encore un truc, là? Bah ouais. Cheval de bois. Tu sais ce que c'est que de croire à travers la forêt, le chemin. Même pas à lire, les amis. J'ai du mal, on doit. On met la pression à lire vite et je sais pas lire. Là, je descends aussi, mais est-ce que c'est la même descente? Bon sang, c'est un vrai dédale là-dessous. Ouais. Je peux y aller, ça va. Où. On t'avance. Nulle part, les amis. Non, ça a l'air vraiment stylé, hein. C'est pas la durée de vie du jeu. Mais franchement. Ah si, cool, hein. Le bug, on le voit déjà, mais bon. C'est bien, dans les jeux à eux, c'est toujours la même histoire. C'est pas ça qu'on cherche, nous. C'est un beau moment horreur. On peut l'ouvrir, cette porte. Ah bah non. Neige access. Ça doit être par là. Ah bon? C'est Picasso, hein, mec, qui est marqué partout. Ouh, je sens que je vais me faire écraser, moi, ici.
appelle les amis, ça me stresse. Et enfin, un fond de... Cet endroit me retourne l'estomac. Et moi, ça me retourne tout, pas que l'estomac. Quoi? Quoi, rien. On peut grimper. Là? Donc on peut grimper, on peut ramper. Qu'est-ce qu'on fait? On va grimper. Qu'est-ce qu'il y a là? Les choses deviennent de plus en plus bizarres ici. Le montagnard, l'homme difforme devenu un monstre. C'est moche! Je pense que il est comme ça, les amis. Mais pas dans la merdasse. Saleté d'espace confiné. Ne parle pas de confinement, hein, s'il te plaît. Passage là, les amis. Bordelique ici. Passage ici. Mais bon, je pense qu'ici, on nous amène nulle part, mais il y a un objet. On va regarder. Ah. Mon dieu. Tu sens. C'est une lame, les amis. Dessus. T'approches vers la mort, mon très cher policier. Je sais pas pourquoi, mais ça sent la mortadelle. On va se faufiler. Voici un test d'habilité. Ok. Merde, quoi ? Réussi ? Ça m'a stressé, les amis. Parce que ça fait une heure qu'on est dans le calme, mais là, directement, on fait un petit stress comme ça. Pas facile. On a de la lumière ici. Un peu trop, non? Porte. Un Fournage Access. Et avec la lumière rouge. Seigneur. Et c'est quoi ça? T'as la fournaille ou je... Wow. Il y a l'enfant. Il est là, l'autre. En P, échelle. En P, échelle. L'autre, il était là, je l'ai vu. Donc, je vais ramper. En P, rampe. Mais il y a purée, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui encore? Quoi? Merde, j'ai raté. Ah. Oh purée, non mais ça va pas le faire. Faites pas des stress comme ça, les gens. Mais le... Il est trop petit, le... La ligne. Il est trop petite, la ligne. Donc, purée, il est là. Hé, hey, Francky. Stone Age. C'est moche, bordel de neige. Merde! Non! Tire dedans! Je dois faire! Stop! Bordel, les amis, on est foutus! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Utilisez R pour viser, appuyez RT pour cibler, ok. C'est quoi? Ah, ok. Ok, on a réussi cette fois. Bam. Merde, j'ai raté.
pas. Qu'il est moche. Qu'est-ce qu'il fait? Mais tape-le, hein. Oh merde, on fait comment maintenant? I am shocked, les amis. Ne tombe pas dans les pommes. Chut. Dégagez du tuyau, ok. Un policier, t'as travaillé pour ça. Ah ben non, c'était pas... C'est pas l'autre, c'est... C'est qui l'autre, là? Et on y arrive, les amis. Moi, tester de le sauver, le petit. Ah mais bouge ton pépette, hein. Le viser, les amis. On est prêts. Si. Et... Je répète, mais bon. De comme il faut. Hein. Et en pleine tête, on l'a eu. C'est pas possible qu'on l'a tué comme ça. Il a tiré sur Frank Stone et sauvé l'enfant. Bon. Oh merde! Oh, comment c'est bien fait! Lève-toi! Est-ce qu'il est vraiment mort ou pas? Et ça fut comme ça que la malédiction de Frank Stone fit surface sous la terre. Il reviendra. Comme un mort. Wow! T'as peur, fille. C'est ok. C'est ok. Ouais. C'est okay. Calme-toi, relaxe-toi. Ok. Un mauvais rêve. Vous imaginez, c'est la petite, en fait, le bébé. C'est possible, hein. Du bruitage, les amis. Bordel. Bordel. Mais bon. Je sais que vous voudrez voir plus, les amis, mais malheureusement, je dois arrêter mon épisode ici. Donc, que dire? Franchement, je suis hyper convaincu de ce jeu. Franchement, on n'a pas beaucoup parlé. On n'a pas fait beaucoup de trailers et tout, mais franchement, il reste dans les mécaniques de massive, de super massive. Donc que dire, franchement, je le conseille à 2000%, les amis. Je vais peut-être le continuer tout seul parce que franchement, c'est pas un jeu qui va durer longtemps. Donc je ne sais pas combien d'heures il va faire, mais je pense qu'il va faire entre 5 et peut-être 10 heures, mais je pense moins que 10 heures. Hein. Entre 5 et 7 heures, une chose comme ça. Mais bon. J'ai aussi autre chose que je dois vous apporter, donc je ne sais pas, les amis. Je suis trop débordé en ce moment en question vidéo. Un grand merci, les amis. Un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, activez la cloche pour recevoir ma dernière vidéo. Un grand merci pour tous, les amis, encore une fois. Et jouez-le, parce que franchement, il en vaut la peine, ce jeu, les amis. Franchement. Allez, ciao, ciao!